On a vraiment ici l'année dernière à Toulon. Le projet m'a beaucoup intéressé. Tout ce que le club avait, une grosse culture ici avec des supporters qui sont à fond derrière le club. Et c'est un club historique avec beaucoup de titres aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'il m'a fait venir ici sur le projet individuel et du club, comment il voulait se construire. J'ai commencé le rugby assez tard, du coup, je ne connaissais pas trop bien le club et Toulon, quoi. Mais c'est après, du coup, en grandissant, que j'ai compris que c'était un gros club, comme on a dit, avec une grosse structure et du gros combat. Du coup, ouais, c'était. À devenir ici aussi, c'était quelque chose. Il y a eu des grands joueurs qui sont passés ici et il y en a toujours. Du coup, c'est super excitant et t'as juste envie de faire que progresser tous les jours et d'apprendre à leur côté. On avait parlé une semaine avant que j'allais sûrement être dans le groupe. Du coup, j'étais très excité. Et en plus, bah, du coup, quand il y a eu l'annonce de l'équipe, j'étais super content. Je réalisais pas encore que j'allais jouer, mais c'était ouais, un moment extraordinaire. Et j'avais beaucoup d'excitation. J'avais du stress aussi, mais c'était beaucoup d'excitation, hâte de jouer ce premier match. On a surtout dit sur le stress de ne pas avoir de pression, que c'était un match comme les autres. Il fallait juste que je mette tous les ingrédients que je savais mettre en place et que j'ai pas de pression, que j'étais encadré. Comme tu as dit, de grands joueurs, privés de papa. Et non, ils m'ont beaucoup rassuré, tout le monde dans l'équipe. Ça m'a fait beaucoup bien, ça m'a permis de relâcher. Et en fait, quand je tournais ma tête, j'étais en confiance avec tous les mecs autour de moi. Bien, mon coco, premier match. Un truc, je me souviens pas de mon premier match, du score, tout. Je me souviens d'un truc, écoutez bien, avec qui j'ai joué à côté. Tu vois ce que je veux dire? Si à côté de toi ils font le job, tu vas t'en souvenir de lui, de lui, de lui, de lui. Le score, tu l'oublieras. Le match, tu l'oublieras. Au début, je réalisais pas trop, mais là, le fait d'avoir passé le match, de regarder le match, bah, tu réalises que t'as joué avec cette grande équipe de Toulon et avec tous tes coéquipiers. Et non, du coup, c'est des moments gravés que j'oublierai jamais en tant que première avec tous les mecs que j'avais autour de moi. Alors déjà, ça m'a fait bizarre de me voir sous cette équipe avec tous ces joueurs-là. Des gars comme Baptiste, Charles ou même David. Je les regardais avant quand j'étais jeune et de jouer avec, c'était des moments magiques. Et ouais, du coup, c'était un super moment. Physiquement, je me suis senti bien. Après, c'est sûr, tout ce qui est rythme et les contacts, c'est un cran au-dessus. C'est pas du tout pareil les 20 et le top 14. Sur ça, c'est la passerelle qui change beaucoup. Et du coup, il faut bien travailler physiquement pour être prêt sur le terrain. Et pour après réussir à rivaliser en face contre les autres joueurs. Je pensais pas qu'il y avait autant d'ambiance, on dirait qu'on était à Mayol avec tous les fumigènes et tout ça. Et non, du coup, ça a donné beaucoup de. Enfin, avec tous les supporters et tout ça, ça a donné encore plus de l'envie et qu'ils soient tous derrière nous. Et au stade aussi, on les entendait beaucoup, beaucoup. Ça.